Je suis Francesco La Galera. Actuellement, je suis entraîneur de gardien en Vision Division 2. Je suis le fondateur de l'Académie La Galera Goalkeeper Academy en Belgique, en Europe. Ans, une blessure et un rêve qui se brise. Après avoir été titulaire à l'âge de 17 ans en Détroit italienne, puis troisième gardien à Palerme, Francesco La Cavera a dû raccrocher les crampons. Mais aux côtés de l'entraîneur des gardiens de Palerme, Francesco a pu apprendre ce métier et poursuivre son rêve. J'ai commencé un petit peu pour un jeu en fait, et de là il est devenu encore une fois mon métier. Je pense que ça fait partie du destin de chacun de nous. Si on est avec le football d'adolescent, je pense que le destin c'est celui-là. Cette année, j'ai signé un Visé en D2 grâce à Beppa Cardi, qui est le directeur sportif de Visé. J'ai entendu dire, et ça je ne suis pas sûr, que je suis l'entraîneur gardien plus jeune qui est en Europe dans les professionnels. Depuis l'année passée, j'ai une collaboration avec la Juventus de Turin. Je suis le responsable des gardiens pour la Belgique, cette année aussi pour le Luxembourg. Créé en 2010 après son arrivée en Belgique, la Cavera Goalkeeper Academy compte aujourd'hui une cinquantaine de gardiens. Ouverte à tous, novices et affiliés à différents clubs compris, l'Académie a notamment formé un gardien parti à la Lazio de Rome. Après La Louvière, Bruxelles et Charleroi, Francesco La Cavera a installé ses quartiers à Fos-la-Ville, où le terrain rend les conditions d'entraînement optimales. On travaille avec des groupes maximum de 5 gardiens pour offrir une super bonne qualité de travail pour pouvoir corriger au maximum les erreurs, les défauts des gamins. On a un staff qui est composé d'un staff logistique. On a aussi un staff qui travaille sur le terrain avec moi. On a un préparateur physique, on a un psychologue, on a un médecin. On a vraiment toutes les figures à 360 degrés pour travailler au maximum et super bien avec les gamins. Mais les enfants, que pensent-ils de leur coach ? C'est mon père qui a découvert ça, qui voulait m'inscrire, donc voilà. Et comment il est Francesco à l'entraînement ? Il est sympa, il crie Il est sympa en restant sérieux. Il est sympa et il crie beaucoup. Et est-ce qu'on apprend bien avec lui ? Très 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 bien. Finalement, le rêve de Francesco La Cavera ne fait que commencer. Les rêves, c'est comme je dis tout le monde, c'est de retourner à Palerme et pouvoir entraîner en Dien où j'ai commencé ma carrière, ça c'est sûr. Et en attendant,